Bonjour à tous, c'est Flo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement et en totalité, du coup, quand même, ce support bureau pour HTC One X. Donc en partenariat avec Mobile Fun, vous pouvez le gagner jusqu'au 17 décembre sur mon blog, par exemple, en laissant un commentaire comme indiqué selon les règles. Donc on a ici un indicateur LED, un câble USB protégé ici à son extrémité par un petit bouchon et un connecteur ici pour micro USB. Donc tout ça aux normes européennes bien sûr pour HTC One X. On a ici donc l'adaptateur pour tenir le téléphone en mode paysage. Donc on va pouvoir brancher le téléphone comme ceci directement. Hop là, vous voyez là, le téléphone est branché et il est maintenu en mode paysage sur votre bureau. Donc là, on peut l'allumer, revenir ici et on a notre téléphone en mode paysage. Donc ici c'est parce que j'ai une RAM custom. On peut le connecter donc comme je vous disais soit avec le câble. Je vais pas forcément le débrancher, je le connecte directement avec un autre câble ici. Alors c'est dans l'autre sens bien sûr. Voilà. Et on a notre une LED bleue qui nous annonce que le téléphone est bien connecté. On va pouvoir voir dans les notifications normalement. Donc c'est ça nous permet de charger le téléphone. Alors. Pour pouvoir le connecter, du coup, on va pas pouvoir se servir de cette option-là, parce que là, c'est seulement pour le charger. Donc, par exemple, pour le bureau ou pour la voiture, on va devoir donc détacher ce câble ici pour pouvoir le synchroniser et le connecter au PC. Donc, j'espère que le câble va être assez long pour aller jusqu'à mon PC. Ça a l'air. Donc, on a le bouchon qu'on va juste, hop là, comme vous pouvez voir, enlever. Voilà. Donc, on va enlever le bouchon. On va tenir le téléphone pour pas que ça tombe quand même. Et là, on va pouvoir le connecter. Et là, on a notre téléphone qui peut passer en mode stockage ici, enfin qui est connecté directement au PC. Donc, on peut le mettre en charger seulement ou le connecter en mode disque dur. Donc, vous reconnaissez peut-être pas forcément votre téléphone, c'est parce que j'utilise une ROM différente, mais c'est bien le mode connecteur au PC. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à participer en laissant un commentaire en bas de page avec le modèle de téléphone que vous souhaitez recevoir, le pays d'où vous venez, etc. Donc selon les règles comme elles sont indiquées dans la description. Sinon, je ne tiendrai pas compte de votre participation. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker la page Facebook de Mobile Fun et à aller faire un tour sur leur site web qui est vraiment très bien fait. C'était Flo, à bientôt.